L'artisanat, premier employeur de France, présente ses différents métiers à l'occasion d'un salon ouvert à tous pour la première fois à Étréchy. Près de 600 jeunes de 45 communes du sud de l'Essonne ont été prévenus par SMS de la tenue de ce forum par leur mission locale. Aujourd'hui, nous organisons un forum sur les métiers de l'artisanat avec une animation qui s'appelle les arts immobiles, que sont les véhicules que vous avez vus à l'entrée, pour expliquer d'une manière ludique les 252 métiers répertoriés de l'artisanat. Et puis, à l'intérieur du salon, vous avez des artisans qui sont là pour témoigner de leur quotidien et de leurs difficultés, en tout cas, et de l'intérêt qu'ils ont à exercer ce métier. Et puis, les centres de formation qui préparent aux diplômes qualifiants sur les métiers de l'artisanat. À cette occasion, des élus du département en ont profité pour découvrir par eux-mêmes ces différents métiers et bien sûr faire passer à ces jeunes un message pour le moins important. Les besoins en information directe auprès des jeunes est bien une réalité. Et il est souvent difficile pour les jeunes qui recherchent des pistes et de formation pour leur avenir de savoir où et comment s'adresser. La mission locale donc a mis à leur disposition un grand nombre d'artisans qui viennent leur parler en direct des formations possibles, des perspectives possibles, métier par métier. La date de ce forum n'a pas été choisie par hasard puisque les journées portes ouvertes des différents centres de formation se dérouleront dès ce mois-ci.